Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur le grand rendez-vous de BB24. Alors, pour ce numéro d'avant-week-end, on aura un entrepreneur et deux acteurs culturels et artistiques pour parler de la célébration du jour. Il s'agit bien sûr de Bob Marley. C'est le 11 mai. En attendant, l'équipe du grand rendez-vous, tout simplement, vous dit bienvenue avec la météo. Aujourd'hui, le monde entier se rappelle de Bob Marley, leader du concept Rastafari. 37 ans après, l'artiste du reggae reste figé, présent dans l'esprit des peuples. Avec l'expert, nous parlerons du concept Rasta entre revers et progrès. Bob Marley, présent également sur Horizon Culture de ce grand rendez-vous. Enfin, zoom sur un événement qui va démarrer dans quelques heures seulement. Bon, il s'agit bien sûr du 11 mai sans tabac sur le campus d'Abomey Calavi. Et nous allons recevoir bien sûr le directeur de l'EACEE pour venir nous parler bien sûr de cet événement. Alors, autre sujet sur ce grand rendez-vous, il s'agit bien sûr des sachets plastiques non biodégradables interdits, en tout cas en voie d'être complètement bannis au Bénin. Des initiatives sont prises pour trouver des solutions aux problèmes créé par cette interdiction. Rendez-vous tout à l'heure sur Nature et Bien-être. Le grand rendez-vous, comme d'habitude, vous promet le journal à 19h45 avec Nadège Sani à la présentation. Bonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Assoum Gaba. On va se retrouver tout à l'heure à 19h45 pour le journal. Dites-nous d'abord quel est le principal menu de cette édition. Bonsoir chers téléspectateurs, d'une star, il est devenu un héros mondial. Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, reste gravé dans la tête de presque tout le monde plus de 30 ans après sa disparition. Depuis sa tombe, la star continue d'adoucir les cœurs. En commémoration au 37e anniversaire de son décès, ce 11 mai, on s'intéresse à la philosophie que prônait la star jamaïcaine. Dans ce journal, on s'intéresse aussi à la culture du Vénonia, une plante thérapeutique pleine de vertus. Et puis, hors de nos frontières, le Kenya perd de plus en plus ses fils, 160 morts déjà en près de 3 mois, en cause la saison des pluies qui a débuté depuis mars dernier. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, tout à l'heure à 19h45 pour le détail, bien sûr, de tous ces sujets annoncés. Et là, on va tout simplement, bien sûr, en attendant de vous retrouver à 19h45, je reçois un artiste musicien pour parler du concept Rastafari. C'est l'espère. Oui.
Oui, 37 ans après, Bob Marley, il vit toujours, hein, il vit dans l'esprit de tout le monde, même le mouvement Rastafari également, toujours présent sur tous les continents, sur toute la planète. Aujourd'hui, je reçois Godwin, un artiste très inspiré, bien sûr, par Bob Marley. Il est avec nous. Godwin, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci de nous retrouver, bien sûr, sur ce plateau pour parler de ce mouvement. Et déjà, je m'en vais vous demander mais ce qu'on peut retenir du concept Rastafari 37 ans après le départ de Bob Marley. Le rastafarisme, il faut déjà séparer du reggae en elle-même. Le reggae, c'est un genre musical. Et le rastafarisme, c'est une religion, une philosophie religieuse. Dont le prophète est Haïlé Selassie, qui était roi donc, de l'Éthiopie, lui-même descendant de la reine de Saba dans la Bible. Et c'est celui-là que les Rastafariens voilà, vénèrent comme les chrétiens vénèrent le Christ et ainsi de suite. Donc il faut déjà diviser ces deux aspects-là. Maintenant, il y a une certaine confusion qui s'opère entre le reggae même et le rastafarisme. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, le rastafarisme, c'est une religion. C'est une religion. Religion toujours présente en Éthiopie, vous avez dit. En Éthiopie, très très prisée aussi par les Jamaïcains, les Noirs Jamaïcains, qui leur a permis en fait, de se reconnecter à leur tradition. C'est une religion qui parle d'être soi, hyper indépendant dans l'esprit, ce qui permettait... à notre très cher Bob Marley, tu vois, d'avoir une conscience de soi hyper élevée. Voilà. Hyper élevée. Et vous, vous êtes aussi de cette religion-là Non, personnellement, je ne pratique pas le rastafarisme, mais j'adore leur philosophie de religieuse, leur philosophie de vie. Par exemple, ils sont végétaliens, hein, ils ne mangent pas de viande, ni des produits dérivés de ces animaux-là. Et ils sont aussi dans une philosophie où il faut s'entraider, il faut être de la solidarité. Voilà. Et ils sont aussi dans cette philosophie où ils ne sont pas tout à fait d'accord avec le système actuel imposé dans le monde, c'est-à-dire le capitalisme, qu'ils appellent Babylone. Babylone. Voilà. Donc, ils appellent le système-là Babylone. Et chez eux, c'est le rastafarisme qui est donc la religion. Ils vont aussi à l'église comme Ah oui, tous ah oui les ils autres. Ont des prêtres, tout et tout. Ah oui. Ah oui, bien organisé, mais... très, très, très hyper indépendant dans l'esprit, dans la façon de penser. Ce n'est pas une religion qui crée l'oppression ou qui a fait, comme la religion catholique ou protestante, enfin, je vais parler de la religion chrétienne, qui a eu affaire à ce qu'on appelle les guerres de croisade pour imposer cette religion-là dans certaines contrées. Nous allons parler également, par exemple, de l'islam qui a fait le djihad pour imposer ça dans certaines contrées. Eux, ils ne se sont jamais imposés à quelqu'un. Ah voilà. Oui. Donc, leur système, c'est quand vous voulez, vous venez. Ça n'engage que vous. C'est quand vous. Mais quand vous y entrez, oui. Voilà, il y a des interdits, quoi. Il y a des interdits. Est-ce que c'est le rastafarisme, cette religion-là, qui demande tout simplement que les adeptes aient des cheveux, les dreadlocks, comme vous Vous pouvez les avoir comme ne pas les avoir. Ça n'engage que vous. Mais quoi qu'il en soit... Personnellement, je ne suis pas rastafarien, il faut préciser ça. Oui. Je suis africain. Et dans la tradition africaine, ou même dans la tradition hébraïque, chez les juifs, l'aîné garde souvent la barbe et les cheveux, ne les coupe pas. Et dans la tradition béninoise, africaine en particulier, on a ce qu'on appelle le fa. Et chaque enfant qui vient au monde, un parent doit chercher à savoir son identité. Et un enfant, quand tu viens au monde, il faut garder les cheveux. Quand tu coupes les cheveux, tu n'es pas en harmonie avec Dieu, la nature, et ainsi de suite. Donc, personnellement, pour moi, ça découle beaucoup plus de cet aspect-là qui fait que j'ai gardé mes cheveux. Parce que je sais, quand je les coupe, je ne me sens pas super bien. Donc, c'est pour juste dire qu'aussi, de façon simple, on peut avoir les cheveux et ne pas être rastafarien. Ou on peut être rastafarien et avoir les cheveux coupés, et vice-versa. Okay. Mais quoi qu'il en soit, de façon spirituelle, les cheveux se comportent comme des antennes. Ça te permet d'être en connexion avec le divin facilement. Voilà. Facilement. Donc, c'est pour ça que vous avez gardé personnellement, vos cheveux. Parce qu'il y en a qui disent qu'avec leurs cheveux, donc ils ne vont pas au cimetière avec ça, que ce n'est pas bien. Oui, ici, parce apparemment, que... c'est la religion qui demande. Pourquoi. Non, c'est simple. Les cheveux ont un taux de captation d'énergie hyper élevé. C'est, pour ceux qui ne sont pas très spirituels, vont trouver que je suis en train de raconter n'importe quoi, mais c'est la réalité. Ce qui fait que quand tu perds un proche, on te demande de les couper. Un vraiment un proche, tu les coupes, quoi. Tu es obligé, quoi.
pour les laisser repousser. Ce n'est qu'à cette période-là ou ce moment-là qu'un rastafarien peut oser couper les cheveux. C'est vraiment un proche, une personne avec qui tu étais très lié, tout et tout. Papa, maman, frère, ce genre de situation, tu coupes. Tu coupes les cheveux, tout simplement. OK, alors parlons bien sûr. Donc, le concept rastafarisme est différent de la musique reggae. Voilà. Mais comment Bob Marley est arrivé donc à faire le lien entre le reggae et le rastafarisme? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que qui dit reggae, qui dit en même temps rastafarisme. Oui, mais il faut parler de l'homme lui-même. L'homme a été grand. L'homme a été charismatique et il s'est imposé à travers sa musique. Mais à aucun moment, il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Il assumait sa religion, okay. Il assumait sa philosophie de vie, le rastafarisme qui crée l'interconnexion entre lui et sa terre-mère. D'ailleurs, même toute sa musique, il était toujours en train de parler aux Africains, aux Noirs. Son plus grand regret, c'est de n'avoir pas réussi à faire beaucoup de concerts aux États-Unis parce qu'il n'était pas suivi par les frères Noirs. Il était célèbre, très adulé par les Blancs, mais il s'est démerdé à chaque fois à vouloir venir en Afrique faire cette musique-là. Donc, comme nous connaissions tous sa religion et qu'il s'est imposé à travers sa musique, naturellement, une confusion est née. Et ça fait une synthèse. Et je pense que Gaba, peu importe le domaine de la vie dans lequel vous êtes, quand vous vous élevez très haut et que vous assumez aussi votre partie philosophique, spirituelle et que vous l'assumez devant tout le monde, ça se met à se confondre avec votre vie et tout le monde commence à fusionner par rapport à ça. C'est pareil pour Mahatma Gandhi, qui était bouddhiste. Okay. À un moment donné, il y a eu fusion avec, puisqu'il assumait ce qu'il était. Voilà un peu. Donc, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, qu'il y ait cette confusion-là. Et dans leur religion, comme dans toutes les autres religions, on chante beaucoup. On chante beaucoup. Et là-bas, l'instrument principal, c'est le tam-tam. Le tam-tam qui est plus source de notre tradition à nous, africains. Africain. Donc, on tape le tam-tam autour du feu, on fait le nayabingi. Et voilà, on s'interconnecte avec les esprits, tout et tout. Tout et tout. Alors, parlons bien sûr de Bob Marley. Pendant qu'on célèbre Bob Marley partout dans le monde, il y a aussi cette image négative collée, bien sûr, à ce concept-là. Vous pensez qu'on peut vraiment corriger quelque chose aujourd'hui? Je suppose que le concept négatif, c'est la ganja. La ganja, c'est... La weed. C'est ce que les Américains disent, les Jamaïcains. Vous savez, aujourd'hui, même avec les cheveux, les drug locks, aujourd'hui, vous allez vous demander un emploi dans l'administration, c'est pas sûr qu'on vous l'accorde. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Ça, c'est l'aspect moi. Image et oui. L'environnement dans lequel on vit, c'est-à-dire le Bénin, l'Afrique francophone en général, est beaucoup axé sur les apparences, pas sur la compétence, okay. Sur la forme, pas dans la quintessence. Mais ça, c'est dû au formatage idéologique à l'école. Je comprends. Okay. Déjà, quand vous partez en Afrique australe, un banquier, vous allez le trouver avec des cheveux, ça ne dérange personne. Ce qui veut dire qu'ils se sont adaptés, se sont habitués. En Jamaïque, dans l'armée, on garde le dread. Ah, oui. Il n'y a pas de problème. J'en connais un qui a épousé une amie, qui a dû couper parce qu'il a commencé à avoir la calvitie. Non, on te fait une dérogation, c'est une religion et ça se respecte. En Grande-Bretagne, ceux qui sont bouddhistes, les hindouistes, je pense, qui viennent de l'Inde, ils ont une façon de porter certains chapeaux qui ne coupent pas leurs cheveux. Ils ont des chapeaux adaptés à eux. Ah, oui. Donc, chaque nation se développe et s'adapte aux réalités. Et si ça dérange encore, nous en sommes là. Voilà, c'est une question d'image et d'apparence. D'apparence. Voilà. Alors, vous allez, quand on parle de Godwin, vous, qu'est-ce que vous tirez de ce concept-là aujourd'hui que vous mettez dans votre musique à vous? Moi, c'est le partage, l'amour, la connaissance de soi, et se battre pour ses droits. Et toute ma philosophie de vie ne tourne qu'autour de ça. Et c'est ce que je tire de la vie de Bob Marley et de leur philosophie religieuse. Je ne pratique pas le rastafarisme, je ne fais pas du reggae, mais c'est une musique que j'écoute beaucoup et je trouve qu'il y a des messages forts. Mais attendez, Bob Marley, ce n'est pas qu'aussi des messages forts, c'est aussi quelqu'un qui aimait, qui a fait des belles chansons d'amour. Okay. C'est un monument, quoi. Et une de ces chansons d'amour sur ce plateau pour le plaisir de vos téléspectateurs? Oui, celle que j'adore particulièrement, c'est Turn Your Light Down Low, qu'il a composée à Cindy, qui était à l'époque
Miss Univers, qui elle habite en Grande-Bretagne, mais elle est de nationalité canado-jamaïcaine. Elle a fait un bébé qu'on appelle Damien Marley, qui est un grand artiste actuellement. Damien qui a fait même le featuring avec Angélique. Exactement. C'est, voilà. Sur il le est né de cette union-là. C'est Djedo, c'est exactement. Ça. Exactement. C'est Djedo, voilà. Turn your light down low and pull your window curtain. Only Jamu come shining into our life again. Say, ooh, it's been a long, long time. I give this moment to you. Ooh, it's been a long, long time. On time, on time. I wanna give you some love. Yeah. baisse la lumière. Voilà. Et donc, ça tourne là dans l'eau. C'est une chanson d'amour, apparemment. C'est une chanson d'amour. D'amour, ouais, ouais. Elle est très profonde. Il dit tourne là dans l'eau, baisse la lumière, and pull the window curtain. Laisse entrouverte un peu la fenêtre. Hein, et let diamond come shining. Okay. Laisse la lumière de Dieu, donc de la lune. Nous éclairer. Attends, wow. C'est très beau. Wow. Ça décrit c'est magnifique. Carrément tout un univers. Sans vulgarité. Sans vulgarité, ça c'est vrai. La hauteur est telle, il faut que les gens apprennent à écouter ces chansons et chercher des traductions. C'était une personne très très libre de soi. L'anecdote que je peux raconter. Oui. Il était en pleine répétition, il devait répéter. Il y avait un jeune homme qui revenait du State, qui avait fait Berkeley, une grande école de musique Berkeley. Là-bas. Le gars fait guitare solo, malheureusement son prénom m'échappe un peu. Quand il arrive, il dit « Waouh, vous avez tout ça ici ?» Il arrive à Tough Gang, là où se trouve le studio avec le matériel. Il dit « Waouh, vous avez tout ça ?» Il se jette sur une guitare électrique. Bob Marley dit « Laisse-moi cette guitare-là. Laisse-moi tout ça-là. Ce n'est pas musique ici. Ici-là, c'est Jah d'abord. C'est Dieu d'abord. » Donc un homme de foi. Ils se sont d'abord mis à prier, ils ont fait ce qu'il fallait. Et c'est là, après, il dit, voilà, tu peux toucher la guitare maintenant. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui ne s'est pas construit parce que son problème identitaire était tel. Il est né métis, c'était difficile pour lui de gérer toutes ces choses-là. Donc, quelque part, il a rencontré un monsieur dont le prénom aussi m'échappe, qui l'a initié au rastafarisme. Okay. Qui était devenu un peu son maître à penser. Après, il s'est aussi aligné sur la philosophie de Marcus Garvey. Voilà. Donc c'est ça qu'il a construit après. Après, il est devenu ce qu'il est. Donc il est important de se battre pour chercher à être qui on est, chercher à savoir qui on est. Quand on en arrive là, tout peut commencer. Tout peut commencer. Donc très spirituel, Robert Nesta Marley. Exactement. Et un rastafarien. Voilà, c'est lui, ça. Il était rastafarien. C'est rastafarien, c'est sa religion en réalité. Religion. Et donc, ce n'est pas un concept, mais non, c'est une religion. C'est une religion, le rastafarisme. Oui. Merci Je beaucoup vous en prie. À vous. Godwin, on va revenir avec vous tout à l'heure, puisque je vais recevoir tout à l'heure le directeur de l'ERCE, et qui célèbre bien évidemment ce 11 mai toujours les étudiants, et qui célèbre bien sûr le... Bon, Bob Marley, les casseurs qui célèbrent Bob Marley ce soir, ils ont appelé leur concept 11 mai sans tabac. On va y revenir. Vous restez avec nous sur le plateau, puisque tout à l'heure, on va essayer de faire quelque chose. Ça va s'animer beaucoup plus sur Horizon Culture. Retour, et ça c'est pour parler de 11 mai sans tabac sur le campus d'Abo Mekelavi avec les casseurs. Comment ça va se passer ce soir? Est-ce possible de célébrer le 11 mai sans fumer
Vraiment, oh, on va répondre à la question dans un instant. Les étudiants, en tout cas, travaillent à cela, tout simplement. On suit d'abord ce commentaire de Yasmine Damata qui nous présente Bob Marley. C'est qui ? Célèbre-t-on en réalité ? Regardez. Mort à l'âge de 36 ans, l'artiste reggae Robin Nesta Marley est né d'une mère noire jamaïcaine et d'un père blanc d'origine anglaise né en Jamaïque. Auteur de plusieurs titres, dont Africa United, sorti en 1978, Bob Marley exprime son souhait de voir le continent noir s'unir. Son message universel était à l'endroit de tous les opprimés, les sans-droits, les laissés pour compte, du Bronx à Soweto. Dans ses chansons, on pouvait comprendre que l'Afrique est la représentation de Sion, la terre promise, alors que le monde occidental, oppresseur, n'est autre que la Babylone biblique. 37 ans après sa mort, de par le monde, on célèbre toujours le musicien surdoué et promoteur du Rasta. Au Bénin, c'est le terrain de volley-ball de l'Université d'Abomey-Calavi qui, comme chaque année, donne un concert pour célébrer l'artiste. Une manifestation qui se déroule sans tabac sous la vigilance de la police sécuritaire du campus. Toutefois, un espace fumeux, loin du lieu du spectacle, est aménagé pour les furus du tabac. Ah oui, on est revenu sur ce plateau pour, avec Carlos Adekambi Zinsou, directeur de l'ECE. Bonsoir. Bonsoir, Axiom. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir. Tout à l'heure, ça va commencer dans quelques heures exactement sur le campus d'Abomey-Calavi, la célébration de Bob Marley le 11 mai. Sans tabac, est-ce que c'est possible? Commençons par là. Je pense que c'est possible parce qu'on le dit, comme on le dit, rien n'est impossible. Il suffit d'avoir un peu de volonté et de mettre les mécanismes qu'il faut à disposition et on peut obtenir le résultat que l'on veut. Mais ça fait quand même 3 ans que vous êtes en train de traîner ce concept de, quand, du 11 mai sans tabac. Mais on a l'impression que chaque année, ça fume toujours. Oui, mais ça fume toujours moins que l'année d'avant, en fait. Parce que ce n'est pas facile. Enfin, pendant longtemps, les gens, les Béninois ont ancré dans leur conscience que chaque fois qu'il y a un concert du 11 mai, enfin que le 11 mai, c'est le jour propice pour fumer n'importe comment. Et même ceux qui ne sont pas fumeurs, ils profitent de l'instant du concert pour tirer 2-3 taffes. Donc ça va être délicat et ce ne sera pas brutal, ce ne sera pas brusque d'obtenir un changement de comportement. Mais toujours est-il que pour ceux qui sont habitués à ce concert-là, qui est quand même, enfin moi je le dis avec... En pesant mes mots, je le dis que c'est le plus grand concert du reggae du Bénin. Mm-hmm. Ça se fait sur le campus. Ça se fait sur le campus. Plus de 5000 personnes, voire 10 000 des fois, quand la communication est bien faite. Donc. Oui, alors maintenant, comment est née cette célébration au niveau du campus, par les casseurs? Oui. Bon, je ne sais pas si je pourrais restituer l'histoire même, mais pour ce que j'en ai eu, enfin j'ai eu de tout ce qu'on a dit de ça. Oui. C'était, ça a commencé en 96, devant le resto U, au niveau du MAR, de l'EPAC, enfin, à l'époque CPU. CPU, oui. C'est là qu'a eu le premier concert du 11 mai, sous l'initiative de quelques anciens dont je ne maîtrise pas véritablement les noms. Les noms. Et dont l'un des précurseurs est avec nous sur cet événement, sur celui qu'on va faire sur le campus. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on peut dire que le concert tient, parce que toute la technique du concert, c'est lui qui gère. L'arsenal qui est venu, c'est lui qui l'a amené, l'ancien Roubas, que nous remercions au passage. Ils étaient les premiers à faire ce concert-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont compris que les messages que véhiculaient les morceaux de Bob Marley étaient des messages très forts et qui incitaient les jeunes, enfin, et l'Afrique en général, à se prendre en main, à se lever pour gagner des choses, pour faire des choses concrètes et relever le niveau de l'Afrique. Okay. Donc c'est de là que c'est parti. Ça n'a jamais été au départ de célébrer la fumée. Non. Depuis là-bas, ce n'était pas le cas. Ok, c'était les messages. Le message, toute la philosophie du rastafarisme, enfin, que partageait Bob Marley avec sa musique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes avant lui qui ont partagé cette philosophie-là, mais il a été quand même, il reste jusqu'à présent le plus connu, celui dont les chansons le plus impacté et le mieux impacté. Mm-hmm. Et c'est toujours bien d'écouter les paroles. Quand vous ne comprenez pas anglais, que vous le traduisez en français, vous comprenez que ce monsieur-là, comme on le dit, c'est vraiment un prophète. Un prophète. Alors, vous avez gardé quoi, parlant de message de Bob Marley, spécialement vous? Il y a trop de choses.
il y a trop de choses. Quand je prends, il y a une chanson que j'aime bien, ça doit être Free Little Bird. Je garde pas, j'aime écouter, mais pas forcément que je garde les titres. Ouais. Donc, le refrain, ça doit être Don't Worry About a Thing, 'cause everything's gonna be alright. C'est une très belle chanson. Il dit qu'il se réveille le matin, il regarde le soleil, il voit, je paraphrase, hein, trois petits oiseaux sur son sa fenêtre. Les oiseaux lui chantent ceci comme message. T'inquiète pas, tout ira pour le mieux. Pour le mieux. Tu te réveilles le matin, que tu écoutes ça, il n'y a pas de raison que ta journée soit mauvaise. Ah oui. Donc, enfin, il y en a pas, parce que c'est plein de pensées positives, c'est carrément du développement personnel. Voilà. Alors, parlant des casseurs, ça fait quand même des années, vous avez parlé de l'ancien Robaz, tout ça. Comment est-ce que, de génération en génération, on puisse maintenir cette flamme? C'est difficile. Encore aujourd'hui, bien plus qu'hier, parce que avant, les casseurs étaient, il y avait un certain monopole. Ils étaient bons, mais ils avaient un certain monopole. Aujourd'hui, il y a des groupes de musique partout dans la ville, et dans la plupart de ces groupes de musique, on retrouve, enfin, des anciens casseurs. Donc, c'est un peu une rivalité casseur contre casseur qu'il y a, mais on essaye de continuer. Enfin, on n'a pas le choix. C'est une institution école. Oui. Oui. Et c'est une institution école et nous avons le devoir, nous qui avons pris par là, qui avons pris un peu de ça, qui avons goûté à la sauce, nous avons le devoir, et on en fait carrément un sacerdoce, de maintenir la flamme allumée. 40 ans déjà, mais pour nous ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on fasse un siècle, pourquoi pas deux siècles, que des générations après nous retiennent encore que les casseurs existent toujours. Toujours. Ils sont encore là. Les casseurs existent toujours, c'est tellement Godwin a quelque chose à dire. Justement, c'est ce que j'allais apporter. Nous n'avons pas d'école de musique encore au Bénin. Et la plupart des musiciens que je rencontre, des très bons, ils sortent tous de là-bas. Ils sortent tous des casseurs. Parce qu'ils ont une rigueur militaire là-bas. On ne vient pas faire la star là-bas, on vient se former. De toutes les façons, l'orchestre reste, l'artiste musicien passe. Donc quand tu arrives là, avant de monter sur la basse, tu apprends et tu respectes la hiérarchie. Et je trouve que c'est hyper magnifique. Tous les casseurs sont en général bons. Ah oui, ils sont... Quelqu'un qui est passé par les casseurs est en général bon. Il est bon. Donc je trouve que c'est un bon creuset qui forme bien. Il y a aussi certaines églises qui forment super bien. L'église Sécrissani Céleste qui forme pratiquement la majorité des musiciens. Mais il faut tenir compte des casseurs. Les gars forment énormément, en fait. Oh, vraiment. Merci en tout cas pour ce témoignage, Godwin. Alors, parlons de la célébration ce soir, Campus Santa Barbara. Comment arrivez-vous à convaincre les gens que célébrer le 11 mai n'est pas synonyme de fumer, en réalité? Déjà, quelles sont les dispositions, les dispositifs que vous mettez en place pour ça? Avant de venir au dispositif, il y a eu un élément fort qui a déterminé l'avancée vers ça. On n'en tenait pas forcément compte auparavant, jusqu'à un moment donné où il y a eu des mouvements d'humeur sur le campus. 4 à 5 jours après le 11 mai, où il y a eu mort d'un policier, d'un commandant de la police. Et partout dans le pays, on a dit que c'est le ACU par les casseurs qui ont vendu de la drogue sur le campus pour le jour du concert du 11 mai, que ça a remonté les méninges et que c'est ça qui a créé tout ce qui est comme grabuge. Okay. Et donc, ça a fait tic. On s'est dit, ouais, on n'en tient pas compte, mais fondamentalement, il y a du désordre qui se fait. Donc, il faut régulariser. Et donc, c'est le premier argument que nous prenons. Si les camarades et les amis qui viennent suivre le concert ne prennent pas garde, ce concert qui est très formateur pour nous autres, pour les artistes musiciens, les artistes casseurs, un jour, le concert sera interdit. Nous, on a un manque, ils auront aussi un manque. Deuxième argument, par rapport au dispositif, ça c'est l'argument qui nous motive. Maintenant, les dispositifs, on commence les sensibilisations bien avant le concert. Okay. Déjà depuis près d'une semaine, on fait du porte-à-porte pratiquement dans les résidences universitaires pour demander aux camarades, nous sommes chez nous, les gens vont venir à l'intérieur, il faut déjà que nous à l'intérieur, qu'on soit sage, exemplaire. Pour obliger les autres à suivre le pas. Parce que si l'étudiant lui-même fume, il ne dira pas à celui qui vient de la rue de ne pas fumer. Donc voilà. On a commencé ça depuis, on est passé dans les résidences, on a partagé de petits coupons. Maintenant, pendant le concert même, généralement, on prend un petit créneau pour communiquer sur les méfaits du tabac. Très bien. Et demander aux gens, fondamentalement, de ne pas y toucher. Et pendant le concert, on aménage une zone non-fumeur.
pratiquement toute la zone du terrain est zone non fumeur. Et on met en place une sentinelle qu'on appelle la sentinelle anti-tabac, qui circule parmi les gens et avec courtoisie, demande à ceux qui, quand même, enfin, on connaît le Béninois, s'entêtent un tout petit peu à déposer leur mégot, à l'éteindre carrément. Et ça se passe avec, généralement, ça finit dans des éclats de rire, on se comprend, et la sentinelle continue pendant que le concert passe. Voilà, généralement, c'est la disposition que nous prenons. Il n'y a pas de violence. Les mêmes dispositions sont prises, Pour ce soir encore. Les mêmes dispositions sont prises pour ce soir encore. Toujours dans la sensibilisation. Okay. Véritablement. Vraiment, vraiment. Déjà, on a commencé à demander à ceux qui n'étaient pas fumeurs et qui viennent grossir le rang des fumeurs le jour du 11 mai de bien vouloir avorter leur projet. Leur projet, tout simplement. Tout simplement. L'entrée sur le campus pour suivre le concert, c'est gratuit ou... Oui, l'entrée est gratuite parce que généralement, les premières heures, on laisse passer tout le monde. Et après, quand ils passent une certaine heure, on fait des petits coupons de 500 francs pour qu'ils puissent soutenir, pour que l'orchestre, le ACE ait du soutien. Mm-hmm. Parce que depuis un certain temps, on n'a plus aucun soutien et c'est difficile pour nous. Et il faut quand même que les choses se fassent. Donc, on essaie de solliciter un petit soutien. Mais généralement, même quand on n'a pas, on finit par laisser passer les gens parce que c'est la fête de la philosophie de Bob Marley. Nous aimons ça et on a envie de partager ça avec les autres, fondamentalement. Avec les autres, tout simplement. Donc, pour le financement de ce spectacle, il y a toujours des difficultés pour ça. Oui, depuis certains temps, beaucoup de difficultés. Cette fois-ci, on a eu une chance inouïe. Enfin, j'ai parlé de l'ancien Robas qui nous a rapprochés de ses collaborateurs patrons qui nous a mis à disposition un arsenal, mais terrible, quoi. Okay. C'est l'actuel directeur départemental du tourisme du littoral. Il a mis toute son équipe à notre disposition et on ne peut que lui dire merci. Donc vous avez de la sonorisation, les instruments. Ce qui a sur le campus n'est jamais arrivé sur le campus. Waouh! Donc ce soir, je pense que du groove, carrément. Si vous êtes à Kota, à Clavier Kota, vous recevrez le son. Waouh! Et grâce à tout ça, grâce à cette équipe-là de Rosia qui nous accompagne, c'est. Vous êtes tout à fait content. Je le remarque d'ailleurs, même dans vos propos. Merci beaucoup d'être venu. Alors, Godwin, on va donner un avant-goût quand même aux téléspectateurs par rapport donc au concert sur le campus ce soir. C'est vrai que vous n'y participerez pas, c'est vrai, mais quelque chose concernant bien sûr vous-même, votre carrière, qu'est-ce qu'il y a comme actualité? Oui, comme actualité, j'ai lancé le 5 février passé un single qui s'intitule Soudé. Justement, je partage, j'aime bien la philosophie de Bob, où j'ai dit il faut rester soudé, c'est ça qui fait avancer, s'épauler, c'est ça qui permet de gagner de l'argent. Oui. Et je l'ai dit souvent, la difficulté, ce que nous avons en Afrique en général, au Bénin en particulier, peu importe le domaine, c'est le manque de solidarité. Okay. L'argent, c'est un papier. C'est l'homme, en fait, la force. Et si l'homme ne comprend pas ça, c'est l'homme qui génère l'argent. C'est l'idée de l'homme et l'action de l'homme qui génère l'argent. Mais si on donne de la valeur à l'argent, qu'on ne donne pas de la valeur à l'idée de l'homme et à l'action de l'homme, on a tous les problèmes du monde. On ne peut pas avancer. Parce que si on a les idées, on a la ressource, c'est-à-dire l'intelligence qui va avec, on a l'action qui va avec. Mais si celui qui a l'argent, qui n'a pas des idées, mais ne veut pas mettre l'argent pour que ça s'active, qui va nous permettre de gagner de l'argent et toi aussi d'avancer, personne n'avancera. Personne n'avancera. Celui qui a l'argent aura l'illusion d'avancer, mais en réalité, il n'avancera pas. Merci en tout cas. Merci pour ce développement. Godwin, quelque chose en mélodie pour nous? Oui, moi, ma dernière composition qui s'intitule Soudé, j'ai fait une rythmique de chez nous. Oui. Continuez de bosser, c'est ça qui donne l'argent. Nous on ne dort plus haut, il faut rester soudé, c'est ça qui fait avancer, c'est voler. Merci, votre invitation à l'endroit du public. Je fais massivement le déplacement et surtout de laisser derrière les mégots. Mm-hmm. Le tabac, de tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, en tout cas. C'est le 11 mai, sans tabac. J'espère qu'on va pouvoir atteindre 100% dès ce soir. Nous comptons véritablement
sur vous. Allez, terminez donc un peu Horizon Culture. La suite du grand rendez-vous, ce sera maintenant dans la nature. Oui, pour parler bien sûr d'environnement. C'est sur le grand rendez-vous, nature et bien-être. Nature et bien-être, nous parlons bien sûr des sachets plastiques en voie d'être bannis complètement du Bénin. Et là, ça crée certainement des problèmes, cette interdiction. Et donc, on se demande en réalité quelle autre solution faut donc trouver pour pallier donc, ces problèmes. On va en parler dans un instant, on va vous présenter juste un exemple de solution trouvée donc par un entrepreneur béninois. On suit d'abord ce reportage signé Christelle Tongolo sur les sachets plastiques, leurs méfaits. Quelques secondes de fabrication, environ 20 minutes d'utilisation et plus de 400 ans avant de se dégrader. Le sachet plastique est un véritable problème environnemental. Il y a tellement de dégâts par rapport au sachet plastique qu'à un moment donné, il faut se lever et dire non. L'aliment qui reste dans le sachet, au contact du sachet, imprègne les substances chimiques et en consommant ça, on est en train d'accumuler des éléments toxiques dans notre organisme. Au regard de ces nombreux impacts, le gouvernement du Bénin a adopté et promulgué une loi qui interdit désormais la commercialisation et l'utilisation des emballages non biodégradables. Mais il faut constater que depuis ce vote, rien n'a changé. Les sachets plastiques sont plus que jamais présents dans la nature. C'est le stock que nous sommes en train d'épuiser progressivement. Dès que ce stock sera épuisé, nous n'utiliserons plus de sachets plastiques. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais pas qu'il y a une loi comme ça de ne pas acheter dans les sachets noirs. Si on ne constate pas quelque chose sur les sachets, on ne peut pas interdire de ne plus utiliser. Et puis, faire la publicité pour nous expliquer comment, pourquoi on ne peut plus utiliser les sachets. Les clients n'auront qu'à se munir d'une bassine. Avant, il n'y avait pas de sachet plastique. Un moratoire de 6 mois est accordé aux populations pour se mettre au pas. Cette période transitoire prend fin le 1er juillet 2018. Mais en attendant, des campagnes de sensibilisation se font avec, à la clé, l'opportunité de privilégier les emballages biodégradables. Avant que le sachet n'arrive, quand on allait acheter à manger, on partait avec son bol. Quand on allait au marché, on partait avec son panier. Il faut se mobiliser et faire de grandes campagnes de sensibilisation pour que dans les marchés, pour que partout, les gens soient au courant. Il y aura des messages publicitaires, il y aura des diapos, des stratégies de sensibilisation, tout assimilé dans toutes les langues pratiquement. Donc c'est la promotion des sachets biodégradables maintenant. Cette loi, avec les décrets d'application, donnera des agréments aux entreprises ou bien aux groupements qui vont importer ces sachets biodégradables dans notre pays. Dans le processus de l'application de la loi, il faut sensibiliser, mais il faut aussi sanctionner. Les produits d'interdiction de ces sachets, si on retrouvait ça chez un consommateur, ou bien on retrouvait ça chez un vendeur, il est puni d'une amende allant de 100 000 à 10 millions. Et il peut avoir encore une peine d'emprisonnement de 6 mois. Même si tu es vendeur de sachets ordinaires au marché et qu'on retrouve des sachets non biodégradables chez toi, tu as payé d'amende de 10 000 à 500 000. Il serait difficile d'envisager de lourdes peines dans un environnement socio-économique tendu. Et donc, la promotion des emballages biodégradables apparaît comme la solution alternative. Amandine Aniambosou, bonsoir. Bonsoir à vous, Assoum Gaba. Voilà, on se retrouve seul entre journalistes sur ce plateau puisque l'invité
Romario Dalmeida. Voilà, il n'est pas devait présent. Être avec nous ce soir, mais malheureusement, on dit l'homme propose et Dieu dispose. Bon. Il n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il a eu quelques problèmes qu'il est en train de gérer. Le gérer. Oui. Oh là là. Bon, on espère bien qu'il va trouver des solutions. On va lui trouver un autre. Qui va trouver des solutions, à son problème. Et on va lui peut-être trouver un autre créneau. Voilà. Et il va venir sur ce plateau pour nous parler un peu de ce qu'il propose comme alternative aux sachets plastiques. Mais il faut déjà dire que c'est un jeune entrepreneur qui, depuis le vote de la loi sur les sachets plastiques, s'est investi. Il dit qu'il sait que lui, il est un entrepreneur et qu'il saisit les opportunités. Tout simplement. Donc, il s'investit dans les alternatives. Donc, il propose aux populations béninoises des sacs faits à base de polypropylène. Ah, okay. Des sacs faits à base de polypropylène et on ajoute un peu d'amidon. C'est ça qui rend justement le sac biodégradable. Oui. Donc, l'usine est installée à Ouida. Il est accompagné par des acteurs, techniquement par des acteurs. Donc, les sacs ne sont pas encore disponibles. C'est toujours à l'usine, mais il promet les rendre accessibles à tous. Il a déjà sa clientèle, les pharmacies, les supermarchés, les médecins qui lui font déjà la cour. La cour, voilà. Oui, donc, parce qu'il faut dire, donc, c'est une solution 100% béninoise. 100% béninoise, oui. Donc, tout est fait au Bénin. L'usine est à Ouida. Ceux qui vont, lui, je crois, il va livrer ça en gros. Il y aura des détaillants pour... Des détaillants, oui, donc, il est en train de faire les petits réglages pour la mise sur le marché plutôt de ce sac. Mais le délai, c'est pour... C'est pour bientôt, donc il sera prêt. Je suis sûr que c'est à cause de ça, puisqu'il est retenu sur... La voie de Ouida. Oui, sur la voie de Ouida, justement. Donc, voilà. Mais il faut dire également qu'à part lui, il y a d'autres... entrepreneurs qui proposent autre chose comme alternative. On a par exemple des entreprises qui proposent des sachets biodégradables, mais ça, c'est des sachets qui sont importés des pays étrangers comme la Turquie, la France et autres. Donc, il y aura tout ça sur le marché. C'est déjà même disponible. Il y a des magasins qui proposent déjà ça. C'est à moindre coût, c'est accessible. Donc, on peut facilement laisser tomber les pratiques des sachets plastiques non biodégradables. Oui, et se tourner déjà vers ces alternatives. Il y a également des ONG qui proposent des sacs en papier recyclé. Mm-hmm. La dernière fois, j'ai vu quelques images où de jeunes se sont associés et proposent des sacs faits à base des papiers journaux. Ah, les papiers journaux. Oui. Ils font des sacs à base sacs à base de ça. Donc, en tout cas, on a... Il y a plusieurs solutions pour pallier à ce problème, au problème créé par l'interdiction des sachets plastiques au Bénin. On va présenter ces solutions-là, une à une, à nos téléspectateurs, sur Nature et Bien-être. Tout comme fait, ils ont un live choix. Merci beaucoup à vous, Amandine Aniaboso, d'être venue déjà sur ce plateau. Faire cette promesse aux téléspectateurs. Nadège Sani, elle est en place pour, dans quelques secondes seulement, démarrer et commencer donc par nous présenter le journal. Waouh, il est 19h45. Allez, on suit le journal du grand rendez-vous.
Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. 11 mai 1981, 11 mai 2018, 37 ans déjà que la star jamaïcaine Bob Marley cassait la pipe. Certains ont fait de lui leur idole. La portée de la commémoration de ce jour pour la communauté Rasta, c'est dans un instant. Le vernonia est un légume cultivé au Bénin. Quel est son apport nutritif pour l'organisme? Les vertus de cette plante thérapeutique sont à découvrir tout à l'heure. Et puis la saison des pluies fait de plus en plus de victimes au Kenya depuis le mois de mars. Désormais, on compte 160 morts en près de 3 mois. Il a juste passé 36 ans sur Terre, mais a marqué et continue de marquer le monde entier. Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, est une fois encore célébré ce 11 mai, date anniversaire de son décès. Quelle est la portée de cette commémoration pour la communauté Rasta et les adeptes de la philosophie qu'il prônait? Auréole Ayéyan, Herman Amigan. Ce mur est baptisé « Mur de l'histoire ». De tous les personnages qui y sont peints, Bob Marley est celui qui retient l'attention. Comme un indice donc, cette muraille graphique traduit quelque peu la philosophie de la communauté Rasta qui vit dans cette maison. Leur cœur bat au rythme des paroles de celui qu'ils considèrent comme un prophète. Chaque 11 mai, ils marquent une pause pour le célébrer. Le 11 mai, c'est une commémoration en mémoire de Bob Marley. Et puis ce Bob Marley, de nos jours, tout le monde a fini par comprendre que c'est un messager spirituel de la race noire. Il a dit beaucoup de choses que de nos jours, on sent dans nos vies quotidiennes. Donc chaque 11 mai, nous on célèbre le 11 mai en mémoire de Bob pour pouvoir rappeler à tout l'entourage ceux qui n'ont pas compris le sens du rastafarisme, le sens d'être aide, le sens de la spiritualité. Ici, nous sommes à l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi. Cet orchestre, on l'appelle les casseurs. Ils sont appréciés de la couche estudiantine. Tous les ans, ils revisitent sur scène le répertoire musical de Bob Marley et des grands artistes de reggae. Le reggae, une musique identitaire qui va bien au-delà de la dénonciation des travers de la société. Reggae, c'est une musique spirituelle. C'est une musique qui doit conscientiser toute la nature. C'est une musique, ce n'est pas seulement aux hommes que ça plaît. Ça plaît aux animaux, ça plaît à la nature tout entière. C'est quelque chose, quand tu l'écoutes, même si tu ne comprends pas ce que dit l'artiste, ça te motive à être excité, même dans ton travail, dans le sport, en toute activité. 37 ans déjà que Robert Nesta Marley s'en est allé. Mais son idéal de vie traverse les générations, ses propos continuent d'inspirer, son rythme musical encore plus, dreadlocks ou pas sur la tête, on sautille sur la pointe des pieds, on balance les bras, ce sont les mouvements du reggae. Sont de plus en plus nombreuses à se faire une place dans le monde des médias, un monde qui n'est pas sans contraintes et exigences. Il est souvent difficile pour certaines femmes journalistes de jouir pleinement de leurs droits, surtout lorsqu'elles sont en état de grossesse. Que ce soit dans le privé comme dans le public, allier état de grossesse et travail constitue un véritable problème. Plus de détails dans cet élément réalisé par Arcel Dancy, Bernard Djogbé, présenté par Marcel Arossi. Elle, c'est Gloria, journaliste âgée de 25 ans.
À la recherche d'un emploi, la chance lui a souri. Elle obtient un contrat de travail dans une chaîne de télévision de la place. Une occasion pour elle de faire montre de son savoir-faire professionnel et de prouver qu'elle mérite d'être embauchée. Mais la joie de Gloria s'est vite éteinte. Son rêve se transforme en cauchemar. J'ai fait 3 mois pour le congé de maternité et c'est quand je suis revenue qu'on m'a demandé, le jour de ma reprise, qu'on m'a demandé de repartir, qu'ils vont me rappeler après. Et pourtant, au public comme au privé, les femmes en service, notamment celles des médias, sont protégées par des tests juridiques. Lorsque vous prenez le code du travail, déjà à l'article 35, la femme, le numéro 5 lié au repos de la femme, d'accord, est déjà une cause de suspension de son contrat. Lorsque la femme, elle est en état de grossesse, elle a droit à un repos ou à un congé que nous appelons techniquement congé de maternité. Déjà, la loi lui offre la possibilité de voir son contrat suspendu pendant qu'elle est en état de grossesse. Le contrat n'est pas rompu. Le contrat, il est suspendu pour permettre à la femme de traverser après l'accouchement. Et elle reprend le travail et là, elle bénéficie d'une heure par jour pour allaiter son enfant et pendant une période de 15 mois. Voilà qui est bien clair. Cependant, ces dispositions du Code du travail, bien connues de certains patrons, ne sont visiblement pas respectées dans les entreprises de presse. Une pratique qui justifie la réticence de la femme à tomber enceinte en début de contrat. Le législateur prévient. Pour la femme salariée qui se retrouve en situation de grossesse, aucun employeur ne saurait licencier une femme pour faire de grossesse. C'est bien précisé dans les dispositions de l'article 171 du Code du travail. Quoi qu'il arrive, le Code du travail protège les femmes en état de maternité. L'article 170 du Code stipule que la femme enceinte, constatée par le médecin, peut rompre le contrat sans préavis. Le vernonia appartient au patrimoine culinaire du Bénin. Il s'agit d'une plante légumière dont les feuilles sont consommées vertes. Les feuilles et les racines ont également des vertus thérapeutiques. Comment est-il cultivé et mieux? Quelles en sont les vertus? Réponse dans ce reportage de Bernol Diogbe, Leonida Onzo, présenté par Estelle Pazou. Le vernonia, communément appelé en fond à mon vivet, est l'une des principales cultures légumières au Bénin. Ses feuilles sont consommées et constituent un des plats les plus appréciés de la cuisine béninoise. Le vernonia, nous recueillons les graines et c'est nous-mêmes qui faisons les pépinières. Et après avoir fait les pépinières, nous mettons ces pépinières-là en terre. Et un mois et demi, 2 mois après, nous avons le vernonia. Ici, au centre maraîcher de Ouïkro, le vernonia est vendu en planche aux grossistes revendeuses des marchés. Le vernonia que nous faisons ici, nos clients, ils viennent de un peu partout. Du marché d'Antokpa, Ganri, Saint-Michel, presque tous les marchés qui sont à Cotonou. En raison de son goût amer, certains pour consommer le vernonia font un mélange avec d'autres légumes. D'autres, par contre, ne le consomment que rarement. Tout le monde n'aime pas le vernonia à cause de son goût amer. Certains clients viennent quand même en acheter et font le mélange avec d'autres légumes avant de cuisiner. J'aime le vernonia parce que c'est un légume qui contient assez de vitamines et c'est succulent et puis ça facilite la digestion. Quand je veux faire ça, je fais ça seul. Et j'accompagne ça avec de la pâte blanche ou bien la pâte noire. Les feuilles de vernonia, bien qu'amères, possèdent des vertus thérapeutiques. Le vernonia fait partie donc des légumes que nous conseillons. Les légumes verts que nous connaissons beaucoup plus, que nous conseillons beaucoup plus pour la consommation de la population d'une manière générale, mais surtout pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes âgées. Et nous conseillons souvent la consommation donc de ces légumes avec, dans les sauces que nous faisons avec le décou que nous faisons à la maison, ou bien on peut le faire comme manya que nous faisons. Voilà, c'est des choses qui vont apporter plus
de valeur nutritive. Le vernonia est un légume important en Afrique occidentale et centrale. Ces décoctions de feuilles seraient utilisées pour traiter la fièvre, le paludisme, la diarrhée et la dysenterie. Les feuilles sont également utilisées comme laxatif et pour encourager la fécondité. Au Kenya, on compte désormais 160 morts pour la saison des pluies qui a commencé depuis le mois de mars. Dans la soirée du mercredi dernier encore, la rupture d'un barrage dans le centre du pays a fait au moins 32 victimes, toutes emportées dans leur sommeil par les eaux boueuses et tumultueuses. Les eaux boueuses ont encore tué 32 personnes au Kenya. Les victimes ont été emportées dans leur sommeil par ces eaux tumultueuses, conséquence de la saison pluvieuse. Toute la nuit du mercredi au jeudi, les services de secours Croix-Rouge kényane en tête ont été à pied d'œuvre pour mettre à l'abri les rescapés et récupérer les victimes. D'après plusieurs sources locales interrogées par l'AFP, le barrage était utilisé pour l'irrigation des fermes environnantes et entouré d'habitations de fortune d'ouvriers agricoles employés dans ces exploitations. D'après une estimation de la Croix-Rouge kényane, quelques 500 familles ont été affectées par la catastrophe. Faut-il le rappeler, la saison des pluies a fait près de 160 morts depuis mars au Kenya. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête à toute la communauté Rasta. Agréable fin de semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. L'actualité continue sur le grand rendez-vous et s'élargit cette fois-ci à la toile. Mesdames et messieurs, suivez tout simplement l'actu web de Polycarpe Rousseau. Mesdames et messieurs, amis de la revue du web, bonsoir. Un phénomène observé sur les routes à Cotonou nous a particulièrement intéressés dans ce numéro des informations sur la toile. Une folie pour certains, une passion pour d'autres, les parades dangereuses d'une catégorie de jeunes cotonois sur la voie publique le dimanche soir se développent. Sur les réseaux sociaux, les uns dénoncent ce qui est communément appelé « zéwé », pendant que d'autres se montrent plus tolérants. Des extraits de vidéos circulent sur la toile depuis quelques jours et donnent à voir des scènes incroyables de jeunes motocyclistes feintant en sens interdit les véhicules. Ça choque des internautes qui ne cachent pas leur désapprobation sur les réseaux Facebook. Massim Babadoudou déplore l'indifférence de la police. Pour lui, notre silence est comme une caution au phénomène. Comme toujours, on attend le drame pour nous abreuver de discours soporiques. Pour Fadil Romulus, ces jeunes ont certainement du talent. Ils ont le droit de jouer avec leur propre vie, admet-il. Mais en aucun cas,
ils n'ont le droit de mettre en danger celle des autres, insiste l'internaute, qui espère que les autorités prendront bientôt leurs responsabilités pour enrayer ce phénomène. Un des rares internautes à prendre la défense des mises en cause, Anoumou Sénignon, voit en ces jeunes des talents à promouvoir. En effet, imaginons la promotion de ces talents dans les doublages de rôles pour les cascades. Imaginez qu'un projet de sport risque les encadre. Ils seront des moniteurs pour des sports de sensation, écrit-il. Il poursuit, et que dire de leurs talents pour des courses-poursuites de la police ou des replis tactiques de l'armée sur les théâtres d'opérations à haut risque. Les possibilités de leur utilité pour la nation semblent nombreuses. La répression n'est pas toujours la meilleure solution. Mais un internaute lui a répondu, ce genre de talent ne se peaufine pas en plein centre-ville. Ceci est de l'incivisme pur à décourager avec la dernière rigueur. Ceux qui ont des visions de cascadeurs se réunissent et s'entraînent au stade ou dans des endroits où ils ne mettent pas en péril la vie d'autrui. Et c'est sur ce commentaire que se referme Actu Web de ce vendredi. À bientôt sur BB24. Allez, merci beaucoup Polycap. On se retrouve très prochainement, bien sûr, sur la toile pour d'autres informations. Le grand rendez-vous, place une fois encore à la météo avant de partir. Je pense qu'on peut le dire déjà maintenant que le week-end s'annonce très très bien. Déjà sur BB24, merci en tout cas d'avoir suivi, d'avoir été présent aux 5 grands rendez-vous de cette semaine-ci. On se retrouve lundi 19h pour d'autres aventures, toujours sur le grand rendez-vous. Bonne soirée.